Bah, ça y est, je suis arrivée à Stockholm. Ça a l'air beaucoup plus ancien que Oslo. Pour l'instant, je commence par le centre historique. Et ouais, ça a l'air plutôt sympa. Bon, c'est dommage, il pleut. Mais bon, on fera avec. Words can only do so much. Hugs can do much more than words. Aujourd'hui, j'ai décidé de visiter le musée Skansen et c'est une ville dans la ville en fait, parce que c'est dans Stockholm et c'est une recomposition en fait un peu de tous les styles de maisons qu'il y a pu avoir en Suède depuis je sais pas combien d'années. Et il y a aussi des animaux, donc ça devrait être sympa. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui là, on est en plein hiver, donc c'est super bien. En plus il pleut pas, bon bah, j'ai pas chaud par contre, mais bon ça pourrait être pire. Ok, j'ai vu un loup, alors là c'est trop bien parce que c'est mon animal préféré. Donc on va essayer de l'avoir à la caméra. Hugs can't do anything. It's when fate kicks in.
they're not your biggest discouragements. You are. You are. It only takes 3 seconds for me to tell you something discouraging. But then, you may never forget my words. Words are powerful. When you hear those words, then your mind starts growing. Why? I thought I didn't have them. Today you can see that I have. What's the word of believing in something you do not see? Faith. Dernier repas de mon Erasmus, je repars demain. Je tiens à saluer les bons et loyaux services de ma valise qui me suit depuis maintenant plus de 10 ans, puisque le premier voyage qu'elle a fait c'était pour mes 10 ans à Euro Disney. Sauf que là aujourd'hui je crois qu'elle commence à rendre l'âme. Et commence à craquer en bas. En même temps, je l'ai un peu malmenée pendant ce voyage, à la surcharger, à faire rouler dans la neige, etc. Mais elle a tenu quand même 10 ans, plus même. Bon, et ben voilà, la dernière journée qui se termine, qui met fin à mon Erasmus. Mais c'était une belle journée à Stockholm. J'ai vraiment bien aimé la ville. J'aurais cru que ça ressemblerait beaucoup plus à Oslo, vu que c'est un pays nordique. Je me suis dit que ça doit être à peu près la même architecture, mais en fait pas du tout. Donc j'ai beaucoup aimé visiter la ville. Mais au final, j'étais contente quand même de vivre à Oslo, parce que ici à Stockholm, c'est la ville, c'est vraiment pour le coup la capitale, avec le bruit, le monde, les embouteillages et le monde dans le métro. Alors qu'à Oslo c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et c'était vraiment agréable. Mais par contre pour visiter Stockholm, ouais, j'ai vraiment adoré cette ville. Donc voilà, très belle expérience Erasmus que je recommande si vous avez l'occasion de le faire. C'est enrichissant, on rencontre plein de monde de partout. Si je veux je peux aller en Allemagne, je peux aller en Chine. Donc c'était vraiment sympa et je regrette pas de l'avoir fait. Mais quand même contente de rentrer après tout ce temps, de retrouver mes petites habitudes, ma famille, etc. Bon, donc forcément sur ma chaîne il y aura moins souvent de vidéos, parce que je suis pas du genre à faire du contenu pour faire du contenu. Moi je sors des vidéos quand j'ai quelque chose à dire, donc là mon Erasmus j'ai réussi à en faire une par semaine parce que j'avais beaucoup de choses à montrer. Mais c'est sûr que quand je vais rentrer chez moi, je compte pas arrêter de faire des vidéos parce que ça me plaît. Mais il y aura certainement beaucoup moins de contenu, en tout cas moins régulièrement. Mais je vous dis quand même merci de m'avoir suivi pour cette aventure. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. En France, ça me fait un peu bizarre de me dire que ça y est, c'est fini Erasmus, j'ai un peu du mal à réaliser encore. Hier ça a été une journée un peu longue parce que j'avais le métro, le bus, des deux avions, enfin j'avais plein de transports à prendre avant d'arriver. Au final je suis partie à 6h du matin, je suis arrivée vers 19h chez moi. Et surtout on a perdu ma valise, donc ça c'est un peu problématique. Heureusement j'avais des affaires avec moi et j'avais pu aussi en laisser ici. Donc j'ai ce qu'il faut pour tenir quelques jours, mais j'espère quand même qu'on va la retrouver, parce que dedans déjà il y avait tous mes cadeaux de Noël. Et là Noël c'est dans une semaine, donc j'espère l'avoir avant. Et puis il y a tous mes habits, même si je sais que ça se rachète, mais bon. Voilà, il y avait des habits que j'aimais bien, des habits que je venais d'acheter à Stockholm et que j'ai jamais portés. Et puis il y a aussi des trucs un peu plus importants, genre il y a mon passeport dedans, il y a ma GoPro, il y a des bijoux qui ont quand même une certaine valeur pour moi, donc j'espère qu'on va la retrouver. Et ouais, parce qu'en fait j'ai eu une correspondance, donc j'ai fait Stockholm, Bruxelles, Bruxelles, Nice, et je pense que ça a merdé au niveau de la correspondance, et donc j'ai pris Bruxelles Airlines, et la fille à l'aéroport elle m'a dit que ça leur arrivait souvent.
de perdre des bagages, donc pour le coup ça leur fait pas une bonne pub. Mais en tout cas, voilà, j'ai demandé à ce qu'on me l'envoie directement chez moi, à voir si je l'aurai à temps ou pas. Et puis bah ouais, ça fait un peu bizarre aussi de revenir ici parce que bah, moi là-bas il faisait froid et des températures négatives. Mais ici il fait quoi? Il fait 10 degrés et au final j'ai plus froid ici que là-bas parce qu'il y a du vent, c'est horrible, il y a tout le temps du vent ici. Et là-bas ben, j'ai jamais souffert du vent. Donc je supportais beaucoup mieux le froid. Bon après j'ai jamais eu des températures vraiment extrêmes. Voilà, même en Laponie j'ai eu de la chance. Mais ouais, et puis ici le soleil qui est là, parce que là-bas genre quoi, à 13-14h il faisait nuit, alors qu'ici il fait nuit à 17-18h, donc ça par contre ça fait du bien. Et puis bah voilà, petit à petit je vais me réadapter à ma vie normale et puis ouais, ça fait du bien quand même de se poser.